Presse en ligne et presse audiovisuelle, c'est l'affiche de la finale de football organisée par le candidat aux élections de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Brice Ogoubi. Il a organisé ce tournoi pour rallier les journalistes sportifs à sa cause. Les 15 jours de campagne qui sont passés assez vite parce que ça nous a permis de faire le tour du Bénin, le tour des départements. J'ai remarqué que les confrères et les consoeurs, que ce soit à Cotonou, à Boïkon, à Lokossa, à Natitengou, sont préoccupés par leur devenir, par leur mieux vivre. Bon, j'ai été sidéré de constater que les préoccupations tournaient beaucoup plus sur l'application de la convention collective. Comment faire en sorte que le journaliste soit élevé au-dessus des contingences que nous avons et des problèmes existentiels. Ils veulent également que vivre dignement de leur profession. Donc ces choses ont été abordées. Donc j'ai eu le temps d'expliquer mon programme. Et ce qui revient le plus, c'est aussi la question de l'assurance maladie. Donc je suis le seul parmi les candidats à poser ce problème. Je crois que ce problème a intéressé aussi les professionnels des médias, donc j'ai expliqué ça en long et en large. J'ai remarqué également que les journalistes veulent envoyer à la HAC un professionnel des médias qui soit un répondant, celui qui est un peu leur interlocuteur auprès des pouvoirs. Donc j'ai l'ambition, et je leur ai promis d'être cet interlocuteur auprès de la HAC pour pouvoir aider non seulement à la régulation des médias, mais aussi à aider les journalistes d'abord à protéger la liberté de presse et la garantie, et également à les aider aussi dans le social. Donc globalement, c'était une riche expérience, mais ça va se conclure le samedi par le vote que je souhaite qu'il mette massivement sur ma modeste personne pour qu'arriver là-bas, nous puissions travailler ensemble. Je suis le candidat des candidats. Donc, je suis un candidat, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, pour réconcilier les structures fêtières qui aujourd'hui se combattent entre eux. Donc je me dis que je suis la troisième voie. Donc moi, je voudrais que vous reportiez massivement vos suffrages sur moi. Il ne s'agit pas de dire que tel est tel camp. Moi, je suis le candidat de tout le monde. Je vais te dire à l'entame de cette discussion que la prochaine mandature, là, le prochain conseil va se jouer sur le triptyque profil, programme et réseau. Le profil, nous l'avons. Je l'ai prouvé à maintes reprises. Le programme, nous l'avons aussi. Le réseau, c'est vous et moi. Donc, je voudrais que vous portiez massivement vos suffrages sur moi. Le samedi soir à 17h. Paris. Pour Brice, qui a su, pendant 15 jours, assouvir la soif de ses inconditionnels du courant. Cette finale, c'est l'équipe de la presse en ligne conduite par Boris Akin qui a dominé son adversaire du jour, la presse audiovisuelle, sur la marque de 4-0. Un score qui reflète la physionomie de la rencontre. Il faut le dire qu'il a eu un chamboulement au niveau du calendrier parce que c'est l'équipe qui a joué aujourd'hui, c'est pas la même équipe qui a joué la demi-finale. Malheureusement, on n'était pas assez lucide devant les buts. C'est pour cela qu'on a encaissé 4 sans rien marquer. Mais comme c'est la presse qui gagne, c'est une fête et c'est la presse qui gagne. C'est toujours une joie de remporter un trophée comme celui-ci. Et du candidat Brice Ogoubi pour les élections à la HAC, je crois que c'est déjà une bonne chose. Le plus important, c'est que le tournoi s'est déroulé dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de problèmes, et on a pu jouer dans la convivialité, c'est ce qui est plus important. On a eu juste deux équipes joueuses, la meilleure à emporter, mais ça aurait pu être autrement, parce que parfois on joue bien, mais on ne gagne pas. Le mérite, c'est qu'on a bien joué, on a été rigoureux, et on a gagné, donc c'est le plus important. Mais comme on le dit, c'est une fête, et les deux équipes méritaient de gagner, mais il fallait désigner un vainqueur. Nous avons été un peu plus astrus, ou je dirais plutôt, nous avons été un peu plus aguerri, peut-être plus que c'est le plus important. Nous avons gagné. Je remercie le bon Dieu qui n'a pas eu de blessés. Au terme de cette rencontre qui a eu pour cadre le stade des requins situé au stade de l'amitié de Kourounou, c'est la presse en ligne qui sort vainqueur de cette finale.